ça, c'était le dernier épisode. Il va manger un peluche. What? Mais où est-ce que je suis les abonnés? Entre temps, je suis sorti de l'intérieur de Skip des toilettes. Comment? Je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on va y retourner. Aujourd'hui, on va découvrir l'intérieur de Skip des toilettes. Cette peluche est directement reliée à moi. C'est une poupée vaudou de moi. On va l'installer juste ici. Au moment où Skip des toilettes va sortir pour manger cette peluche, je serai directement avalé aussi. D'ailleurs, toi aussi, tu peux acheter cette peluche. Le lien est en commentaire épinglé. Dépêche-toi, elle n'est bientôt plus disponible. Du coup, j'installe une caméra de surveillance qui va observer le toilette et la peluche. Cette caméra, elle est directement reliée à mon PC qui est dans le salon. Hop, j'installe la petite caméra de surveillance. Comme ça, quand Skip des toilettes va venir manger la peluche, je saurai quand moi aussi, je vais être mangé. Allez, c'est parti, on allume la caméra. La caméra est allumée, voilà, c'est parfait. On se retrouve directement dans le salon pour observer tout ça. C'est parti, je vais commencer à observer le toilette. C'est bon, on a une vision du toilette, de la peluche. À tout moment, Skip des toilettes vient manger la peluche. Et vu que c'est une poupée vaudou de moi-même, je serai mangé avec elle et je me retrouverai à l'intérieur de Skip des toilettes. Bon, voilà, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Il va falloir être patient. Allez, j'espère, très bientôt, on va voir Skip des toilettes venir manger la peluche. Ok, pour l'instant, on voit pas grand-chose, les abonnés. Mais je vous dis, ça va arriver, on va la voir se faire manger. Allez, on y croit. Ok, bon... Pour l'instant, on s'ennuie un petit peu. Il se passe vraiment pas grand-chose. Bon, écoutez, on fait une petite ellipse le temps qu'il se passe quelque chose. Oh, toujours pas. Je viens de me réveiller, les abonnés. J'ai fait une petite sieste. Et il n'y a toujours pas la peluche qui s'est fait manger. Oh, c'est quoi ce délire? Les abonnés, c'est super long. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Bon, si je vous ai posté la vidéo, c'est que j'ai réussi ma mission, mais là, je commence à douter. Je me dis que c'est quand même super long. Je pense qu'il va falloir vraiment être patient. Au pire, j'ai quelque chose à vous proposer juste avant. Je pense que pour faire passer le temps, ça peut être vraiment très cool. On va aller découvrir l'intérieur de Skip des toilettes sur Minecraft. Tant qu'il ne se passe rien dans la vraie vie, on va découvrir l'intérieur de Skip des toilettes sur Minecraft en compagnie de Azuro. Donc, c'est parti. Alors, là, tu vas voir Azuro. Ouais. Je vais mettre deux véhicules qui sont un petit peu étranges, mais qui vont nous permettre d'aller voir le Skip des toilettes géant qui est tout là-bas. Regardez, on le voit. Et de se faire littéralement manger par ce Skip des toilettes. Bon, ouais, let's go. Viens. Dans les toilettes, t'es bizarre. Bah, c'est pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de son ventre. On va découvrir ça ensemble. Donc, c'est parti. Je vais mettre nos deux véhicules. Voici nos véhicules, Azuro. Regarde, ce sont des fauteuils volants. Regardez, il faut le démarrer. Let's go. Je le démarre. C'est dégueulasse, c'est pas ça. Mais mec, ça va, c'est stylé. Et regarde après, hop, au bout d'un moment, on va pouvoir s'envoler avec. Waouh. Wow. Wesh, t'as pu t'envoler. Mais ouais, pourquoi moi... Attends, mais moi j'arrive pas à m'envoler. Attends, mais le mien il est cassé ou quoi? Le mien il est cassé ou quoi? J'arrive pas. Attends, il faut peut-être que je le fasse accélérer. Oh, let's go, c'est bon. Wow. Attends, mais mec, ça va super vite. Je me suis coincé dans l'arbre. Je me suis coincé dans l'arbre. Attends. J'arrive. Mec, c'est dur. Hein. Ok, c'est parti. Et let's go. Ouais, on va aller voir le Skip des toilettes géant et rentrer à l'intérieur. Se faire manger par le Skip des toilettes géant. Allez, c'est parti. On va à l'intérieur. Il y a des moucherons ou quoi? C'est quoi ce bordel là? Allez, let's go. Let's go. Je vais me mettre comme ça. Ok, on va aller à l'intérieur. Wow. On est sur sa langue. What? Oui, et on va à l'intérieur. Wow. Mais où est-ce qu'on vient d'atterrir? What? Attends, mais Azuro, lève-toi. Ouais, il se passe quoi là? Mec, je crois qu'on est à l'intérieur de Skip des toilettes sur Minecraft. Wow. Mais mec, alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Skip des toilettes sur Minecraft? Attends, vite, il faut qu'on se cache là. Oh, non, je crois avoir repéré un Skip des toilettes. Il y a un Skip des toilettes là-haut, en haut. Il y a un Skip des toilettes en haut. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Attends, quoi? Attends, ce serait tous des Skip des toilettes? Mais attends, mais c'est quoi cette maison avec un escalier qui monte dans un endroit chelou de l'intérieur de Skip des toilettes? Regardez, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un escalier qui monte à l'intérieur de la maison. Et de la maison, tu peux prendre un autre. Ah! Wesh! Wow. Attends, on tire dessus. Attends, mais c'est une tour de. Wouah, mais mec, c'est littéralement une tour de contrôle pour nous empêcher de rentrer à l'intérieur de la maison. Mec, c'est une tour de contrôle pour nous empêcher de rentrer à l'intérieur de la maison. Waouh, il va falloir faire super attention. Mais en fait, l'intérieur de cette maison, regardez, il y a un escalier qui monte là dans une sorte d'endroit secret. Waouh, les abonnés, à mon avis, à l'intérieur de ce truc, il va se passer quelque chose de super stylé. Fais attention, Azuro. Alors ici, on a quoi? On a un cimetière de toilettes. Attends, mais quoi? Mec, c'est littéralement un cimetière de toilettes. Attention, regardez, c'est littéralement un cimetière de toilettes. Wow.
Mec, c'est quoi ce cimetière? Mais en fait, c'est un cimetière de squelettes toilettes. Et là, on a une crypte. On va rentrer à l'intérieur de la crypte. Ok. Donc les abonnés, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de squelettes toilettes? On a un burger géant. Regardez ce burger géant. Bon, ça, squelettes toilettes, du coup, il a dû se faire un petit cheat meal. Il a pris un énorme burger. Ok, très stylé. Non, il est pas périmé, le burger, il sent bon, moi, je trouve. Le ketchup. Bon, du coup ici on a un cimetière de Scooby toilettes. Donc regardez, bah, les Scooby toilettes ils sont littéralement plus là hein, et ils sont tous morts. Paix à leur âme, hein, rip, rest in peace. Bon, du coup on va rentrer à l'intérieur de la crypte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la crypte? Et après il faudra aller dans l'intérieur de la maison, mais ça va être compliqué. Hein. Ok, on va à l'intérieur de la crypte. Attends. Oula, ok, il m'a fait tomber. Oh mec, regarde le toilette de fou furieux qui est à l'intérieur. À mon avis, ça devait être le papa des toilettes. Oh mais il tire à l'intérieur. Hein. Alors comment est-ce qu'on fait pour remonter? T'as des échelles ou un truc pour me faire remonter? Vas-y, attends, ouais, vas-y, je fais la courte échelle, vas-y. Vas-y, mets un bloc sous moi, Mets des échelles au pire, mets des échelles. Non, moi je peux pas monter là, Vas-y, let's go! Voilà! C'est parti! On sort de la crypte et là, fais attention parce qu'il nous vise avec son fusil. Ouah, ouais. Et la balle elle est passée juste à côté de mon crâne, hein. Genre vraiment mon gros crâne là, il a fait prendre une balle en pleine tête. Vraiment, ça a fait passer juste à côté. Bon, par contre, il va nous falloir des armes, hein. Il va nous falloir littéralement des armes. Ouais, bah, t'inquiète, frérot, j'ai trouvé ça, tu m'emmènes dans un toilette, frère. Voilà, voilà, donne-moi des armes, alors donne-moi des fusils. Tiens, voilà, donne-moi juste une lunette pour ce fusil là, le rifle. Donne-moi une lunette. Ce bazooka, on va peut-être pas l'utiliser, c'est un peu hard. Ok, les lunettes, ok. Mais mec, tu me donnes tout, mais t'as un arsenal de guerre dans ton inventaire. Et là, du coup, normalement, ok, là, ok, je vise. Oh, c'est plutôt stylé, attends. Quelle est la meilleure vie? Ok, là, c'est vraiment stylé. Regardez, j'ai un fusil sniper, on le voit, il est juste là. Regardez, il est juste là. Oh, let's go. Là, je l'ai en pleine mire, à mon avis, je lui mets une balle dans la tête. Oh, ok, je crois que je l'ai eu. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il est encore vivant? Je vais viser. Oh, attention, il me tire dessus. Faut faire super attention. Il va falloir réussir à le buter. Donne-moi des munitions. Il faut des grandes munitions. Je vais essayer de toucher à nouveau grâce à mon sniper. Il est juste là-haut. Ok. Ok. Oh, let's go. Je l'ai eu. Pleine tête. Eh, t'as fait péter une grenade. Sauf que. Bah, regardez. Il y a de la terre ici. En plus, t'as fait casser l'escalier. On n'aurait même pas pu accéder. Bon, je recharge mon sniper au cas où s'il y a des choses à l'intérieur de cette maison. Oh, il y a deux toilettes qui nous accueillent. Il va falloir les détruire. Allez, on les détruit petit à petit. Voilà, j'espère que c'est pas des toilettes. Oh, mais qu'est-ce que tu viens de nous envoyer dans les oreilles? Il y a un gros ultrason. Distance de sécurité. Ouais, c'est ça. Bon, let's go. Ok, petite maison. Wow, mais t'es sérieux ou quoi? C'est bon, au bout d'un moment. C'est un gros troller. Alors du coup, on est à l'intérieur de la maison. Et comment est-ce qu'on accède? Ah, on faut accéder par là. What? Est-ce que t'as des échelles? Oui, t'as des échelles de tout à l'heure. Vas-y, place les échelles de tout à l'heure. Vas-y, place-les. Ok, ah, les abonnés, du coup, regardez, on voit bien l'intérieur du Scooby toilette. C'est super chelou. Allez, let's go, on va monter. Wouah, c'est quoi ces portes de zinzin? Attends, c'est par là qu'on va rentrer? Wouah, mec, c'est quoi cette porte? Wouah, mec. Et on va passer par là? Et on va arriver dans cet endroit secret? D'après vous, il y a quoi les abonnés à l'intérieur? Il est tombé où le bolos là? Attends, je suis tombé. Okay. Il était où? Bon, allez, let's go. Non, mais là, il y avait personne. What? Un autre toilette comme ça? Les abonnés, c'est pas particulièrement si stylé que ça. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus stylé pour l'intérieur de Scooby Toilette. Mais je crois que Scooby Toilette va pas tarder à me manger. On va repartir dans la vraie vie et je devrais pas tarder à rentrer dans l'intérieur de Scooby Toilette. Mais cette fois-ci, dans la vraie vie. Bon, tout ça c'était cool. Mais nous, on veut aller à l'intérieur de Scooby Toilette dans la vraie vie. Et là, il va falloir le réveiller, le Scooby Toilette. Je sais pas ce qu'il fait, mais on est en train de s'ennuyer. Pour réveiller Scooby Toilette, je pense qu'on va devoir mettre sa musique préférée. On va l'attirer avec sa musique préférée, c'est parti. Je suis prêt, les abonnés. On va mettre l'enceinte juste là. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Là, ça va l'attirer. J'en suis sûr et certain. Je baisse un petit peu le son. Mais là, c'est sûr et certain que ça va l'attirer. Il va débarquer, manger la peluche. Et on va se retrouver à l'intérieur de Scooby Toilette. Allez, on retourne devant le PC. On est de nouveau devant le PC. J'allume la caméra. Ok. Pour l'instant, Scooby Toilette est pas là. Wow. Scooby Toilette, il arrive. Il va manger la peluche. Wouah! Les abonnés, je crois que je suis à l'intérieur de Scooby Toilette! What? C'est quoi cette dinguerie? Je crois vraiment que je suis à l'intérieur de Scooby Toilette, mais où est-ce que je suis? C'est super chelou! Wouah! C'est une dinguerie! Oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les abonnés, regardez ce que je viens de trouver!
un crâne. Oh là 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 là, à mon avis, c'est quelqu'un qui s'est fait manger par Skip des toilettes. Quelqu'un avant moi. Et lui, cette fois-ci, il a été digéré. Alors que moi, pour l'instant, ça va, je suis en pleine forme. Wow, regardez ce que je viens de trouver au sol. Un os qui a l'air un petit peu plus vieux, puisqu'il est plus jaune que celui-ci, à moins que celui-ci, il a été beaucoup mieux digéré. Ok, un os. Oh, un deuxième os. What? Alors là les abonnés, c'est sûr et certain, on est à l'intérieur de Skip des toilettes. Et il a mangé tellement de choses, regardez. En quelques minutes, je viens de trouver deux os et une tête, un crâne et... Wesh, il y a un autre crâne. Regardez, il y a un autre crâne. Mais what? Oh là là, mais regardez tout ce que j'ai trouvé déjà. Deux crânes, des os. Qu'est-ce qu'on va encore bien trouver à l'intérieur de Skip des toilettes? Vraiment, c'est dingue, il y a plein de choses à découvrir. Je pense qu'on est vraiment pas au bout de nos surprises. Mais surtout, comment est-ce qu'on va sortir? C'est la grande question que je me pose. Mais il y a encore tellement de choses à découvrir. Regardez, regardez, fais un petit tour. Wow, wesh. Est-ce que vous avez vu des choses étranges? Moi, je crois que oui. Écoutez, on va tout poser là. Et on fera un petit inventaire à la fin de tout ce qu'on a trouvé. Wesh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une faux de la mort. Wow. Ouh là là là. Mais what? Regardez, j'essaie de choper avec la faux de la mort. Oh, let's go. Un collier d'os. Mais... Eh, c'est tellement glauque à l'intérieur du ventre de Skip des toilettes. Vraiment, c'est tellement glauque. Alors, on a trouvé tout ça pour l'instant. Wow, attendez, le collier, je vais le mettre autour du cou. Let's go. Skip des bob, bob. Oula, attendez, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça se trouve, c'est un collier qui est super maléfique. Oh, j'aurais jamais dû mettre ça autour de mon cou. Bon, suivez bien la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour vérifier qu'il ne m'est rien arrivé. Merci à tous ceux qui le feront. Bon, du coup, let's go. Je vais mettre ce collier-là. Qu'est-ce qu'on a? Oh, wow. Alors là, il y a quelqu'un qui s'est pas fait du tout digérer. Regardez, il y a des organes de partout, des doigts. Il y a toute la main. Attends, le pouce et les quatre doigts. Il y a la main entière, sauf que... Bah, en gros, il y a ça, 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 ça. Mais pas ça. Donc là, vraiment, il manque une partie de la main. Là, il y a un poumon. Je crois que c'est un poumon. Là, il y a le cœur. J'ai l'impression que c'est le cœur, ouais. Ça doit être bien que le cœur. Des yeux, un cerveau et des oreilles. Ah, c'est super glauque. Je sais pas pourquoi on a ça encore ici. Ça commence à faire beaucoup de choses très étranges trouvées à l'intérieur de Skip des toilettes. Qu'est-ce qu'on a ici? Wow. Alors ça, par contre, c'est super flippant. Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Waouh, ça c'est super badant, comme si... je préfère même pas parler de ça, c'est super bizarre. Ça veut dire que Skip des toilettes, vraiment, il est très maléfique, hein. C'est une créature diabolique. Surtout que ça, en vrai, c'est du sang, donc ça a dû servir de... Enfin, bref, vous avez compris. Waouh. Alors ça, c'est l'un des trucs les plus chelous qu'il y avait à l'intérieur. Oh, mais ça, ça fait super peur. C'est quoi cette tête vaudou chelou là? Alors là, vraiment, pour le coup, c'est l'un des trucs les plus badants que j'ai jamais vu de ma vie. Regardez tout ce qu'on a trouvé. Wow, attendez, et... Wesh, il y a un autre truc encore ici. Oh, une faux. Mais c'est que des trucs diaboliques et super méchants. Comment ça se fait que Skip des toilettes, il a tout ça à l'intérieur de son ventre? Alors, il y a deux théories possibles. Soit Skip des toilettes est quelqu'un d'extrêmement gentil. En fait, c'est le gentil qui mange les méchants. Genre, regardez un petit peu tout ce qu'on a trouvé. Eh ben, littéralement, je pense que les personnes qu'il a mangé, c'était des personnes qui n'étaient pas très fréquentables, hein, parce que voilà, ils étaient dans des trucs un petit peu diaboliques, maléfiques, avec des armes, des trucs super bizarres. Je pense que ça, c'est la première théorie. Skip des toilettes est gentil et il mange les méchants. Ou la deuxième théorie, c'est qu'il est méchant, qu'il mange tout le monde et qu'il a mangé tout et n'importe quoi. Dites-moi en commentaire quelle est la théorie que vous préférez. Soit c'est la 1, soit c'est la 2. Vous êtes team théorie 1 ou team théorie 2? Bref, les abonnés, je sais pas comment sortir d'ici, ça a l'air complètement fermé. Donc si vous voulez m'aider à sortir, mettez un pouce bleu dès maintenant, voilà. Et tous ceux qui ont mis des pouces bleus, ça m'aidera à sortir. Si on atteint les 5000 pouces bleus, je pense que je ferai un épisode où je sors. Et si on les atteint pas, je pense que ça va être compliqué de sortir. Bref, il y a deux vidéos qui s'affichent, clique sur celle que tu préfères.